Hello les petits potes, c'est Rookie de retour sur Black Ops 6 pour le camouflage or du pistolet Grekova. C'est parti. Tout d'abord, quand on regarde le profil de dégâts, même avec mon class setup, on voit quand même que l'on ne dépasse pas 30 points de dégâts, quelle que soit la zone du corps. Donc c'est pour cette raison que je vous invite essentiellement à jouer sur le mode Mosh Pit Confrontation Hardcore. Tout d'abord, le camo militaire qui vous demande de faire comme toutes les armes, 100 headshots. Pour ce défi, j'ai utilisé cette classe qui, me semble-t-il, peut être débloquée dans les 12 premiers niveaux et qui, du coup, ne vous demande pas forcément de grind à fond l'arme. Ensuite, les camos spéciaux avec le camo tour qui vous demande de faire 30 éliminations au jugé, ainsi que le camo Déméter qui vous demande de faire 50 éliminations en activant la spécialité de combat exécuteur. Donc bien évidemment, ce sont deux camos que vous pouvez faire en même temps. Et concernant le class setup, il ne change pas en dehors du fait que l'on enlève la lunette et que l'on met le premier laser que l'on débloque avec cette arme pour éviter de grind à l'infini, qui est le laser visé stable et qui permet en fait une amélioration de la dispersion des tirs au jugé. Si on va sur un autre laser, on voit la différence quand même. Sans oublier bien évidemment d'équiper la spécialité exécuteur en mettant les trois atouts rouges de votre choix. Et enfin, le camo or qui vous demande de faire 10 double éliminations ou mieux avec le Grekova. Et pour cela, j'ai utilisé la même classe que pour le camo militaire, à savoir bien évidemment qu'en termes de lunettes, vous mettez celle qui vous plaît. Je m'en occupe. Capture de Charlie en cours. Sécurise la zone A. Je capture l'objectif. Sur la zone B. Sécurise toutes les zones. Ils prennent la zone C. On s'empare d'Alpha. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur le camo or du Grekova va vous aider. Et bientôt, dès que je les aurai fait, je vous montrerai les autres camo or pour les autres pistolets, ainsi que le camo diamant des pistolets. Et en cours, je suis en train de faire le fusil à pompe SG-89, qui va me permettre également de pouvoir faire les camo diamants des fusils à pompe, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le camo or du Marine SP. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.